même pas ma super bougie. Mais en même temps, je vais vous la montrer vu que c'est un cadeau. On va se concentrer 30 secondes, ça ne me dérange pas. Allez. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le haul de mes cadeaux de Noël. Alors petit disclaimer obligatoire, je ne fais pas ça pour me vanter, etc. Je fais ça juste parce qu'une abonnée me l'a demandé, donc voilà, je me suis dit que j'allais la faire. Aussi je voulais vous montrer ce que j'ai eu parce que j'ai eu des trois petits trucs beauté et je me suis dit que ce serait cool de vous montrer et par la même occasion de vous demander si vous vouliez des tutos avec, etc. Donc voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est beauté, etc. Et ensuite random, habits, etc. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'avais demandé des pinceaux Will Techniques et je les ai eus. Donc j'ai eu le kit pour le teint, donc c'est les oranges, donc avec les 4 pinceaux comme ça. Donc le fond de teint aussi, bleu, et le correcteur, donc voilà. C'est des super pinceaux, je les ai essayés 2 fois déjà et je suis trop contente. Donc voilà, et ensuite j'ai demandé le kit pour les yeux que j'ai eu également. Donc voilà, les 4 petits pinceaux que j'ai également utilisés ce matin et hier. Sous mes 26 et j'ai eu le 24, donc voilà. Voilà, je suis super pour ces petites pochettes là. Voilà, super pratique. Je les ai enlevées parce qu'ils sont dans mon pot à pinceau, bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez les ranger et ça, c'est trop bien parce que, comme vous savez peut-être déjà, j'ai les parents séparés. Du coup, je dois tout le temps emmener mes pinceaux en vrac dans ma trousse et j'aime pas ça. Chaque fois, j'ai peur de les abîmer, etc. Donc là, bah, moi, je suis sûre que je ne les abîmerai pas. Donc c'est trop cool. Une bébé crème, ma mère savait que je voulais absolument une bébé crème et on allait l'acheter ensemble au final le 24 après-midi, donc je considère ça comme un cadeau. Donc c'est la bébé, la hydratantée anti-rougeur de chez Mixa. Elle est pour les peaux sensibles et réactives et elle est non comédogène, donc ça a l'air vachement écrit au niveau de la compo quoi. Donc voilà comment elle se présente. Je l'ai aujourd'hui et ma foi je l'aime beaucoup, vraiment elle me fait un joli teint je trouve. J'ai de la poudre en plus mais voilà, je l'aime pas vraiment bien. Donc voilà, voilà, je vous en dirai plus bien évidemment. Mon frère m'a acheté 2 vernis. Donc ce sont des vernis de chez Kiabi. Et en fait j'ai déjà 2 kits comme ça. En fait vous avez une couleur et un vernis noir craquelé. J'ai le violet, le rose fuchsia, le violet très clair bien pailleté. Et là j'ai le doré qui est magnifique. Donc voilà comment ça se présente. Et du coup j'ai 3 vernis craquelés noirs. Donc bon, je pense que je vais en donner un peu parce que 3 ça fait un peu beaucoup. Mais le doré est très joli, donc je sais pas trop si je vais les mettre bientôt ou pas, parce que je vous montrerai, j'ai eu un autre vernis. Mais voilà, c'est super et du coup je vais pouvoir avoir un doré parce que j'en avais pas. Et j'ai eu, oh mon dieu, par ma tata, un vernis Dior. Donc c'est le Diorette. Il est magnifique. Oh mon dieu, donc j'aime trop parce que genre faut enlever ça. Et après, et les pinceaux sont géniaux. Je l'ai mis hier à la va-vite, donc je l'ai enlevé parce qu'il était vraiment mal mis, mais juste pour essayer la qualité, la pigmentation et tout. Et c'est un truc de taré, donc c'est le 988. Mais si vous voulez le retrouver, je pense que vous allez vraiment peiner parce que ma tata, elle a dû faire 2 villes, 6 magasins pour le trouver. Il est en rupture de stock partout. Donc voilà, il est vraiment magnifique et c'est mon premier vernis Dior et je suis trop contente. Ensuite, mon frère m'a également acheté une palette de maquillage, donc je sais pas trop, enfin c'est la marque Modélite. C'est un peu la même marque en fait que Kiabi, etc. Et donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous filmer une revue, ça fait 10 ans que je vous le dis, parce que c'est une excellente marque. Donc voilà comment elle se présente et c'est des couleurs que j'ai pas du tout. C'est des violets, des roses, il y a un magnifique fruit ici là. Lui je vais le mettre dans un smoky. Et alors juste pour vous donner une idée, voilà. Donc ça coûte 2 euros, enfin je sais pas trop combien ça coûte, mais je sais que ça coûte pas cher du tout. Et croyez-moi, ça vaut une grande marque. Donc voilà, c'est vraiment une excellente palette, je trouve, c'est vraiment super bien pigmenté. Donc j'ai hâte de maquiller avec, mais je me suis maquillée avec ce que j'ai présenté juste. Ensuite, j'ai eu le coffret Lancôme que je rêvais depuis, enfin le coffret, je voulais le parfum. Et mon papa m'a offert, enfin mon papa et ma belle-mère m'ont offert le coffret carrément. Donc la boîte est juste magnifique, donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, ça c'est le petit mot. Donc j'ai enlevé les produits, je vais vous les montrer juste après, mais je voulais vous montrer l'intérieur. Voilà,
C'est super joli. Et le derrière de la boîte, il est argenté comme ça. Enfin, c'est magnifique. Ça, carrément, que je vais le garder. Enfin, je vais carrément le garder pour ranger je sais pas quoi. Mais je vais la garder. Bah, les habituels, quoi. Le lait de parfum. Donc, La Vie est Belle. Ah oui, je ne vous l'ai même pas dit. C'est La Vie est Belle, en fait, de Lancôme. Je ne vous l'ai même pas dit. Le gel douche. Et le parfum. Et le parfum qui est magnifique. Voilà. Et qui sent carrément trop bon. Oh là là, ils sont vraiment trop bons et je voulais absolument, je les avais bassinés avec. Donc je suis trop trop contente d'avoir enfin La Vie est Belle. Petite brosse toute mignonnette, super sympa. Je sais pas d'où elle vient parce que bah, j'ai pas demandé. Je pense que c'est H&M et elle est trop jolie. Je la trouve trop belle et le coiffe super bien. Donc écoutez, enfin, c'est plus de la déco et tout ça, mais elle est vraiment trop. J'avais gardé le meilleur pour la fin. La folle, tu sais. J'ai la Naked and the Bun. C'est une beauté, les filles. Si vous n'avez pas encore allé la voir en magasin, mais foncez, vous allez pleurer. Donc voilà, voilà. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu sur plein de vidéos américaines. Hélène en a parlé. Tadou ! Elle est trop belle. Oh là là, mon dieu, comment elle est magnifique. Donc je me suis maquillée avec. Bon, j'ai fait un truc hyper light, hein. Parce que je refais un rêve, enfin je refais une soirée de Noël aujourd'hui, donc je me maquillerai plus ce soir. Et j'ai une répète de danse, donc je vais maquiller light. Mais bon, j'ai le gloss sur les lèvres. La référence du gloss, je pense pas, en fait je crois que vous pouvez pas la retrouver sur le site Urban Decay, le gloss, si j'arrive à le sortir. Hop, parce que c'est un gloss exprès pour cette palette, je crois qu'il n'est pas vendu. Au cas où, c'est le Cesso, donc c'est un... Ouais, un dupe quoi, que je porte sur les lèvres, qui est trop joli. Et le crayon, oh my god, c'est le Stag, je crois. Et alors, j'ai sur la paupière juste en haut, très légèrement. Super. Et par contre, le mascara, il est bien, mais c'est pas mon préféré. Il détrône pas du tout mon Day Will. Tout simplement parce que c'est un des picots. Enfin, c'est la brosse traditionnelle de mascara. Et moi, pour mes cils, ça va pas du tout ça. C'est une brosse comme ça. Vous voyez, et moi mes cils ils aiment pas trop cette brosse, ces brosses là, mais bon il est vraiment pas trop mal sinon. Et puis bah sinon voilà, hein, le blush, le bronzer, l'highlighter, les 5 couleurs, enfin c'est magnifique. Et l'objet en lui-même est sublime, c'est limite un objet de déco quoi, donc je suis hyper contente. Et maman, si tu passes par là, je sais que tu passes par là, je t'aime, merci. J'ai eu le headband que je porte sur moi qui vient de chez ProMode. Voilà, qui est super super joli, donc je suis super contente. Un truc que je peux pas vous montrer, c'est Just Dance 2015, simplement parce que je l'ai pas avec moi, mais bon voilà, c'est Just Dance, je suis super contente, je le voulais trop. Et voilà, il y a des super chansons, j'ai déjà essayé, enfin il est au top. Ensuite j'ai eu Maman je t'aime. Alors il est hyper chaud, je vais me brûler en fait en vous le montrant. Un brûleur Yankee Candle, enfin vous savez c'est pour les tartelettes. Donc là, il y en a une qui est en train de fondre. Bon, vous voyez pas parce que là, j'ai pas envie de me brûler honnêtement. Donc c'est un Yankee Candle pour faire brûler, vous savez, les tartelettes. Donc voilà, j'en avais pas et j'avais acheté des tartelettes et j'en avais pas. Et en même temps, ma maman, elle m'a acheté deux tartelettes en plus de celles que j'ai déjà. Donc il y a la Waikiki Melon qui sent super bon. Mais celle-là, je vais la garder pour cet été parce que c'est vraiment une odeur d'été. Et il y a celle que je suis en train de faire brûler actuellement. Actuellement, yeah. C'est la fleur de prune noire, donc il est violet. Je vais essayer de vous montrer parce que là il tombe un peu en gros vu que je viens de le couper pour le faire brûler. Donc voilà, et ça sent hyper bon, fleur de prune noire là, ça sent trop bon, je vous assure. Ensuite j'ai eu 3 livres, donc 3 livres du même auteur et c'est Jod Green. J'ai vu Nos étoiles contraires, j'ai lu Nos étoiles contraires et j'en suis tombée complètement amoureuse. J'ai eu Qui es-tu, en fait les 3 qu'il a écrit. J'ai eu Qui es-tu Alaska, Passe cachée de Margot et Will et Will. Donc voilà, j'ai trop hâte de les lire. Je sais pas du tout par lequel je vais commencer. C'est la torture depuis hier soir. Je sais pas du tout par lequel je vais commencer. Mais donc voilà, j'ai eu ces 3 livres donc par mon tonton et ma tata. Et voilà, je suis trop 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 contente. J'ai trop hâte de les lire. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai eu un peu une surprise. Je m'y attendais absolument pas. Pourtant, en fait, j'avais pas pensé à le demander à Noël. Mais pendant toute l'année, j'en ai demandé un. Et j'en avais jamais eu un et ça y est, j'en ai un.
C'est un Longchamp, il est magnifique, il est rose, rose, pas rose pétant, mais enfin rose, tu vois quand même que j'arrive, hein. Il est magnifique. Honnêtement, je voulais absolument pas un noir ou un gris ou un marron. Je voulais juste un rose ou un violet, quoi. Je déteste faire comme, enfin, faire comme tout le monde. J'aime pas trop avoir le même sac que tout le monde. Alors là, j'ai le même, mais je l'ai en rose. Donc voilà. Il est magnifique. Je sais pas du tout quelle taille c'est. Je crois que c'est pas le petit. Je crois que c'est le moyen, tout comme ça. Et donc voilà. Il est trop trop beau. Je suis juste comme une gamine. Quand j'ai ouvert le paquet, que j'ai vu Longchamp. Mais j'ai pété un plomb, quoi. Non, mais je suis trop contente. Donc voilà. J'ai eu mon Longchamp rose que je voulais trop. Et voilà, je suis au top de ma vie. Alors ensuite, je me suis mise au sport. Je crois que je ne vous l'avais jamais dit. Je cours environ 10 à 11 km par week-end. Là, je vais en faire 6 ce matin. Donc voilà, on m'a offert donc un super pantalon pour courir. J'ai eu le haut qui va avec. Bon là, ça ressemble un peu à rien, mais il est super joli. Alors ensuite, j'ai eu le brassard pour mettre son téléphone dedans. Donc comme j'ai un iPhone, il en faut un assez grand, donc voilà, on le met ici. J'ai eu des gants parce que bah, là par exemple on allait courir, ils gèlent complètement. Et voilà, donc c'est des gants verts et en fait après une fois que vous les avez mis, vous pouvez recouvrir encore vos doigts de ça. Donc enfin, c'est juste le taf. Truc de fou. Alors elles sont très sales parce que je viens d'aller courir comme je vous l'ai dit. J'ai eu des Nike pour courir, donc j'ai déjà des Nike Rush Run, et en fait quand j'ai vu la boîte Nike, j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils m'ont acheté Nike, et en fait c'est des Nike pour courir, c'est vraiment des running, donc elles sont noires, blanches et violettes, elles sont magnifiques, très sales également, alors celle-là elle est moins sale, donc voilà comment est-ce qu'elles se présentent, elles sont sublimes, on est d'accord, voilà, elles sont juste trop belles, j'ai pas trop de mots pour les décrire parce que, enfin voilà, vous les voyez très bien. Voilà, elles sont jaunes à l'intérieur et elles sont magnifiques, oh mon dieu. Voilà, je suis trop contente quand je les ai vues, j'ai fait ah, trop bien. Donc voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.